Votre commande. Ces enfants sont tellement turbulents. Arrêtez de courir. Faites moins de bruit. Ils peuvent pas rester en place une seconde. On veut passer nos vacances là-bas, s'il vous plaît. Super idée. Je peux pas me le permettre, moi. Attends, j'ai pas les moyens de voyager non plus, en fait. Les vacances sont annulées, les enfants. On voulait tellement y aller. J'ai même déjà fait ma valise. Oh, on est tellement désolés. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On peut transformer une valise en pièce secrète. Serveur! Je peux vous aider? Aide-nous à construire une pièce secrète. D'accord, mais ça ne sera pas gratuit. C'est tout ce qu'on a. C'est pas beaucoup. Mais ça fera l'affaire. Le café est fermé. La construction peut commencer. Le plus important, c'est de porter des lunettes de protection. On devrait changer. Ces tenues vont pas le faire. On va commencer par faire de la place. Soulève-toi. Cette table est super lourde. On a besoin d'aide. Je vais m'en occuper. Allez. J'y arrive pas. C'est plus dur que je le pensais. On devrait faire une pause, vous êtes pas d'accord? Ouais, carrément. Attendez, où est passée la table? Vous avez vu ça? Je crois qu'on travaille trop dur. On va faire de la place pour la pièce secrète nous-mêmes. On va enlever toutes les choses en trop. C'est parti! On a terminé! C'est vous qui avez fait ça? Bien joué! J'ai trouvé des planches. On peut faire la charpente avec. On n'a pas besoin de cette table de toute façon. On va trouver un autre moyen d'utiliser ces planches. T'es sûr? Carrément! Maintenant, je m'en occupe. Et voilà, j'ai préparé un délicieux hamburger. Sérieux? Tu veux goûter? Non, merci, ça va. Miam! On veut construire avec vous! Oh non! Les enfants, les outils, c'est pas des jouets. Tiens, prends un marteau gonflable. Et toi, prends cette scie sans dents. Quoi? Maintenant, personne ne risque quoi que ce soit. Prends ça! Essaie de m'attraper. Oh, regarde-les s'amuser. La construction peut commencer. À moi la perceuse. Waouh! La base est montée. Qu'est-ce que vous en pensez? Waouh! On peut la peindre maintenant? J'ai fini de peindre. Moi aussi. Tant mieux les garçons. On va la draper maintenant. Waouh, c'est trop joli. On peut passer à la déco. J'ai des super guirlandes top qualité. J'ai pas vraiment besoin de décorer la chambre moi-même, en fait. Et ouais! Déléguer, c'est mon super pouvoir. Les guirlandes sont installées. On peut accrocher les posters maintenant? Bien sûr, mon chéri. Je vais mettre tous mes posters préférés. J'ai trouvé un skate. Ça fera une déco parfaite pour la chambre. Ouais, et des poufs. Notre pièce secrète est trop cool. Vous êtes là. Le repas est prêt, dépêchez-vous. T'exploites les enfants en les faisant bosser? Honte à toi! J'ai une idée. Je vais décorer la chambre en faisant un arc-en-ciel. Terminé! Ça te plaît? Je dois répondre, c'est urgent. On devrait rajouter autre chose. Oh, je sais! Où est mon sac à main? Il doit bien y avoir quelque chose d'utile là-dedans. Un plaid tout doux, c'est parfait! Et un oreiller moelleux. Ou encore mieux, tout un tas d'oreillers. Voilà ce qui manquait. C'est dingue tout ça! J'y aurais jamais cru. Ah, les enfants, ils pourraient pas se calmer un peu? Maman, joue avec moi! Tiens, résous ce Rubik's Cube. Et fais ça très loin d'ici. Maman, j'y arrive pas! Aide-moi! Ouais, comme si je pouvais faire ça. Par où commencer? Oh, je sais! Tu penses quoi de ce nouveau jeu? Ouah, c'est trop cool! Piou! Tout le monde est content comme ça.
faut que je trouve quelque chose d'unique. Je sais! Je vais faire un ciel nuageux avec du coton. Le rendu est trop mignon! Et ben voilà, j'ai plus rien à boire! Salut! Ouh, je l'ai eu! Refais plus jamais ça! D'accord! Je sais quoi faire pour m'assurer que ce sera la dernière fois. Un comptoir, voilà ce qui manque à cet endroit. Je vais fixer cette planche ici. Je vais ajouter des dents de requin et des sodas. Bienvenue, est-ce que ça te plaît? J'adore, c'est la meilleure boisson du monde. Merci. Quoi, mais pourquoi il a fait ça? Allez, vas-y. À gauche, à droite. Ça va pas du tout. Vous passez beaucoup trop de temps sur votre tablette. Je sais quoi faire. Qu'est-ce qu'elle fabrique? J'ai apporté des livres. C'est hyper intéressant. Vous allez adorer. Trop nul! Les livres ont besoin d'une étagère. Et j'ai trouvé le mur parfait pour ça. Et voilà! On a une place où ranger les livres maintenant. Super! On va pouvoir partir à l'aventure! Quoi? C'est trop bien! C'est comme ça qu'elle a trouvé ses meilleurs amis. Ils ont fini de lire leur bouquin, comme c'est mignon! Bien joué, les garçons! Elle est partie, sors la tablette! Maman, regarde ce que j'ai trouvé! Mais je sais pas du tout ce que c'est. Ah, mais c'est des CD! Qu'est-ce qu'on est censé faire avec? Les jeter? Mais non! Les gens s'en servent pour écouter de la musique! Mais j'ai une meilleure idée. On va coller des CD sur une ficelle. Et voilà. On a une guirlande hyper stylée maintenant. T'en penses quoi? C'est pas mal! Et si on ajoutait une boule à facettes? Ouais, que la fête commence! Les enfants, doucement! Je travaille là, vous savez? Ça suffit! J'ai une idée. Maintenant, vous avez chacun un panier de basket. Prenez des glaçons. Celui qui jette le plus de glaçons dans le panier a gagné. Merci. On a perdu, je crois. Le jeu de fléchettes est installé. Qui veut jouer? Non, c'est pas marrant. Et maintenant, le gagnant remportera un prix. Alors, vous êtes prêts à jouer aux fléchettes? Oh ouais! Loupé! Je vais réessayer. Encore raté! Non! Dans le mille! Mais c'est la fléchette de qui? Qui l'a envoyée au milieu? Toi ou moi? Sérieux? Ok. Écartez-vous! Je veux mon prix! Mais il se prend pour qui, lui? Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Avec mes talents de bricoleuse, c'est un vrai miracle. Désolée de vous déranger, mais j'ai fait le calcul et... Voilà la facture pour mon travail. Wow, mais on est fauché. Oh, qu'est-ce que c'est là-bas? Où ça? Hey, ouvrez la porte! C'est toujours la même chose. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi il y a une maison dans une maison? Les filles! Salut maman! Qu'est-ce que c'est que ça? On peut tout expliquer. On s'ennuyait tellement. On devrait jouer à la poupée? Wow! Ouais, bonne idée! J'ai une maison de poupée. Elle est minuscule. Mm-hmm. Tu vas la casser! Et voilà! La poupée doit déménager dans un endroit plus grand. Qu'est-ce que t'en penses? Waouh! On va bien tout mesurer. Oups! Le canapé gêne. Il nous faut plus de place. On va d'abord vider la pièce. Ouf! Bouge de là! Je vais enlever le canapé. Il est trop lourd! Allô? J'ai besoin de ton aide. Vous avez appelé les déménageurs?
pousse. La pièce est vide. Trop lourd. Nancy, attention. Je la tiens. J'ai une scie. J'ai presque fini. Cool. Oups. T'aurais dû me prévenir. Les poutres sont prêtes. On va les joindre et fixer les côtés ensemble. On ajoute des supports pour que ça tienne bien. Quel drôle d'objet! C'est pour avoir des angles droits. Et voilà! Julie, regarde! Oups, c'est trop haut. On va scier un peu plus. Le premier mur est monté. On n'a plus qu'à ajouter une poutre porteuse. J'ai besoin d'un marteau, moi aussi. Quelqu'un m'appelle? Ah, coucou, meuf! Je vais t'emprunter ça un petit moment. Oui, bien sûr. Où est mon maillet? Quand est-ce que t'as eu l'occasion de tout faire? Je voulais aussi planter des clous. Tu peux peindre? Je vais prendre un pinceau. La charpente de la maison sera blanche. Le blanc, c'est toujours stylé. Il y a un pinceau là. Je dois le choper en douce. Trop bien! La plante, elle était là avant. Hey, ça pourrait être une déco pour mon cupcake. J'ai trouvé un pinceau. T'as déjà fini la peinture? Mais je voulais peindre moi aussi. T'inquiète. Tu peux prendre mon pinceau pour finir la dernière partie. Merci, j'ai terminé. Bon travail! Maintenant, on va fixer les murs perpendiculairement. Perpendiculairement quoi? Ok. Tu tiens les murs comme ça. Et je vais les attacher ensemble. En bas! Wow! À toi maintenant. De l'autre côté. Commence par ici. On n'a pas besoin de ça. Je sais comment planter des clous. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi m'en occuper. Le dernier mur et notre structure est prête. Ouais! Je dois calculer combien de matériaux il me faut pour recouvrir les murs. Je vais t'aider. Un mètre, un autre. Maintenant, on mesure et on coupe. Faut faire très attention. Soulève-le. Oups! Ce serait une bonne idée de bien les fixer. D'abord avec des vis. Puis avec une agrafeuse. Pour être sûr que ce soit bien attaché. On va déplacer la maison sur le côté. Allez, tu vas y arriver! Nancy, aide-moi! Ça a marché! Top là! Laisse tomber. Mélange de la peinture blanche et de la peinture rouge pour obtenir une nuance de rose parfaite. On va peindre le mur. Le rose, c'est ma couleur préférée. Je pourrais peindre toute la journée. On l'a fait! Construire une maison, c'est tellement amusant. Oups! Oh, Nancy! On doit ajouter des volets. Ça fera l'affaire. J'ai trouvé des charnières. Prends la perceuse. Voilà! Les volets seront blancs. Si j'avais un rouleau, je pourrais tout peindre ultra vite. Tada! Hey, Nancy, ça te plaît? Hey! J'adore! On a oublié le toit. On va faire la charpente avec ça. J'ai apporté des poutres. Désolée, sœurette. Tiens ça, je vais faire un trou dedans. Maintenant, on va joindre les poutres. Et voilà. Oups. Il nous faut des fixations d'angle. On s'est bien débrouillé. Top là. J'ai trouvé du matériel pour couvrir le toit. Aide-moi.
on va l'agrafer. On a besoin de tuiles aussi. Je reviens tout de suite. Maman, j'ai besoin d'une assiette. Julie, je suis occupée. Oui, qu'est-ce que tu disais? Il y avait une assiette ici. Regarde ce que j'ai. On va manger? Pas du tout. On va dessiner des tuiles. Détourne l'assiette à l'aide d'une éponge et de peinture pour faire un merveilleux toit en tuiles. Waouh! Maintenant, on peut l'installer. On devrait mettre une girouette ici. Ouais, je suis d'accord. Et voilà! Le vent souffle de quel côté? Regarde ce que j'ai! Une nouvelle robe? Sérieux, Nancy? Un voile de mariée, c'est encore mieux. Il nous faut un rideau pour la porte. J'adore! On va mettre un cœur au-dessus de l'entrée. Non, une étoile! Non, un cœur! Une étoile! Je suis vexée maintenant. Un arc-en-ciel. Frangine, on fait la paix? Et là, il y a des moulures. On va les coller. Oups, je suis collée moi aussi. Ah, Nancy! J'irai plus vite toute seule. Waouh! Il manque quelque chose sur cet arc-en-ciel. Maintenant, c'est parfait! On n'a jamais trop de guirlandes. Ça rend vraiment trop beau! Nancy, arrête un peu! Arrête cette cloche! Elle sera utile, je pense. Je la sonnerai quand je te dirai de te calmer. Super! On rentre? Avec plaisir. Ouais, l'intérieur de la maison est pas top. Je sais! On va commencer par le plafond. Attache du tissu et allume des guirlandes. On a un ciel étoilé. Je vais coller du papier peint. C'est comme ça qu'il faut le coller. T'as gagné! La clé, c'est de prendre beaucoup de colle. Nickel! On va ajouter plus de lumière. On va couvrir le sol avec un tapis, comme si c'était une pelouse. Je vais apporter les affaires. On va mettre ça là. Nancy, on devrait ajouter une tringle. Et voilà! Merci! Et on va mettre une étagère à brosse ici. Non, ça marche pas comme ça. Voilà une étagère. Tout est à sa place. Non, Nancy, attends! Quoi? C'est pas une piñata, c'est une lampe! Cool! Les poufs vont aller là. Et la table basse, juste ici. Julie, assieds-toi. La fenêtre est un peu fade. Nous, on va l'embellir. Le chewing-gum, c'est une méthode qui a fait ses preuves. Regarde par la fenêtre. Bof, la vue est pas terrible. On va s'occuper du jardin. On va commencer par la pelouse. On a aussi besoin d'un arbre. Place-le ici. Je sais, je vais apporter un lampadaire. Je suis presque. Voilà! Nancy, attention! Deux lampadaires valent mieux qu'un. J'ai une idée. Je vais lancer une corde, comme ça on aura notre propre balançoire. On va faire des marquages au sol pour que ça ressemble à une vraie rue. Et voilà une mini barrière. Le parking sera juste là. Waouh!
Je peux passer? Bienvenue! Notre maison est trop belle! Donc, voilà ce qui s'est passé. Ah, ça explique tout, ça. Vous voulez prendre une photo? Ouais, carrément! On est en retard pour notre vol. Oublie pas ton sac. Maman, papa et moi alors? On a oublié Josie. Nounou? On a besoin de toi. C'est quoi ton tarif? Parfait. S'il te plaît, viens au plus vite. Vous avez appelé une nounou? Salut! J'arrive trop tard? On a commandé deux nounous? Bon bah, tant pis, entrez. Au revoir ma chérie. Salut, je suis Carrie. Et moi c'est Molly. Ah, je vois. Crochet du droit, crochet du gauche. Bien joué, Josie. Qu'est-ce qui se passe ici? Les jeunes filles ne devraient pas boxer. Tu dois apprendre les bonnes manières. Viens avec moi. La boxe, c'est génial. Redresse tes épaules. Tiens-toi droite. Bouge plus! File-moi ta thune! Tiens! T'as fait peur à ma nounou? C'était horrible! Josie? Voilà! J'ai sous-estimé la boxe. Josie, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ma poupée est cassée! Je sais comment la réparer. Regarde ce que je t'ai acheté. Une poupée toute neuve! Salut! Coucou ma nouvelle poupée! Oh non! Ramène-moi au magasin! Oups! Ok, salut! Une serviette, une fourchette, un couteau. Mouais, trop bidon. Bon appétit! Ah, Josie. Dégueu! Hey, tu veux un burger? Ouais! Pas touche. Pas de burger. S'il te plaît! Hors de question! Je sais. Je vais manger mon burger avec un couteau et une fourchette. C'est bon maintenant? Ah, c'est peine perdue. C'est tellement bon! Des chips? Je peux en avoir? Pas question. T'auras de bons granola. On devrait prendre des céréales sucrées? Et des chips? Encore plus de chips! Tiens, te fais pas prendre. Je vais prendre tout ça. Par carte ou en espèces? Par carte. Ton reçu. Quoi? Merci. C'est trop bon. Josie, tu vas avoir une surprise. Ferme les yeux. Tada! Wow! Une chambre secrète en carton. Oh, j'adore! T'appelles ça une chambre secrète, toi? Josie, viens par là! Ça, c'est ce que j'appelle une pièce secrète. Wow, c'est trop génial ici! Ça me plaît aussi. Carrie, viens par là! Vous êtes les meilleures nounous du monde. Merci, Josie. Ma vie est finie! Mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai encore eu un F en maths. Comment on pourrait l'aider? J'ai une idée. Je vais jouer et toi, tu collectes l'argent. Et maintenant, on va compter nos pièces. Ça, c'est pour toi. Et ça, c'est pour moi. La meilleure façon de s'entraîner au calcul mental, c'est les étiquettes de prix. Cette chemise coûte 7,50€ et celle-là 10€. De combien d'argent on a besoin? 17,50€. Bon travail! Cool, j'ai eu un A!
On est le meilleur groupe de rock du monde. Même si on a une télécommande et une brosse à cheveux en guise de micro. Qu'est-ce qui se passe ici? Mes oreilles! Josie, tu devrais plutôt écouter de la bonne musique. Vas-y! Oh là là! J'aime que le rock, moi! Ah, je vois. On s'en va. Josie, j'ai une surprise pour toi. Encore un violon? C'est pas tout. Regarde. Yo! Roxy, ouais! Wouhou! Oups! Je vais dessiner des nuages. Et moi, je vais dessiner le soleil. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez abîmé les murs? Bah c'est de l'art! Oh non, mais qui dessine comme ça? Tenez, un chevalet et de la peinture. Allez-y. Moi, je serai le modèle. C'est tellement réaliste. Carrément, hein? Oh, je suis fatiguée. Ça va durer encore longtemps? On a presque fini. Ça suffit, je veux voir. Quoi? Vous avez peint le vase? Bon, bah tant pis. La princesse rencontra enfin son prince. Et le courageux chevalier vainquit le monstre. Josie s'est déjà endormie. Merci pour le spectacle. Il s'est passé quoi ici? Pourquoi il y a autant de bazar? Rangez-moi ça tout de suite! Sérieux? Ok. Josie, transformation. C'est parti! Ça, ça peut aller sous le canapé. Et les fringues aussi. Ce qui rentre pas sous les oreillers peut aller sous le tapis. La pièce est impec. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est donc comme ça que vous faites le ménage? C'est n'importe quoi! Allez-vous-en! J'ai besoin d'un nettoyage de fond en comble. Au boulot! La pièce sera nickel. Terminé! Merci, bon travail! Tu devrais changer de look. On va modifier ta coiffure et ta robe. C'est beaucoup mieux! Et les chaussures? Je vais prendre celle-là. Non, c'est les miennes! Il te faut des chaussures pour les filles de ton âge. Quelques bijoux. Et un sac. Maintenant, t'es prête pour aller à l'école. Passe une bonne journée. Cette tenue est trop laide. On va changer ça tout de suite. Et voilà, maintenant t'as la classe. Et un bandana à la place de ta pince à cheveux. Rends-moi juste mes baskets, ok? Bonne chance! Y'a quelqu'un à la porte? Bah on n'attend personne. C'est des cambrioleurs. Faut qu'on aille voir.
on n'a peur de personne. On forme une équipe de rêve. Pourquoi vous criez comme ça? On a perdu nos clés. Ouais, vous êtes revenus! Tu nous as beaucoup manqué, ma chérie.